Alors d'abord, évidemment, c'est un homme de robe. On dit c'est un homme de robe qui est issu d'une famille d'avocats. On dit même noblesse de robe, je te le prie de bien vouloir. Ah, mais écoutez, merci, très cher. Donc, grand-père avocat, père avocat, un des grands avocats de sa génération, dans l'immobilier d'ailleurs. Fils avocat, oncle avocat, hein, Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Et on va dire que tu as ce métier dans la peau depuis toujours, puisqu'une des phrases de Pierre-Olivier, c'est « Je suis tellement avocat ». Qu'est-ce donc que ce métier pour toi, Pierre-Olivier ? Ben, c'est le vers de Césaire. Je suis la voix de ceux qui sont sans voix. Je suis la bouche de la douleur qui n'a pas de bouche. C'est Césaire, ça, mais c'est exactement nous, ça. Un procès, c'est le jugement du passage à l'acte, le passage à l'acte qui est porté par la part d'ombre. Et cette part d'ombre, elle trouve une double correspondance. On est comme dans Baudelaire, là, avec le poème Les Correspondances. Une double correspondance, la correspondance de l'avocat, qui a ses parts d'ombre, évidemment. Plein de parts d'ombre. Et les parts d'ombre du juge, qui a des parts d'ombre, plein de parts d'ombre. Qui n'a pas envie, une fois dans sa vie, de frauder le fisc ? Tout le monde. Tout le monde. Et nous défendons celui qui a passé à l'acte. Quelle est cette fraction de seconde, ce rien qui fait qu'on passe à l'acte? Et nous défendons cette transgression. Agnès, la dernière fois ici, avait invité un avocat alpiniste extraordinaire, Thiriez, qui s'est occupé aussi beaucoup de la Ligue de foot, et qui nous a posé cette question, mais vaincre le Makalu, cela valait-il la mort? Vous savez, ce 8000. Bon. La grande question, c'est celle de la transgression. La transgression de l'alpiniste, la transgression de celui qui passe à l'acte pour donner un prolongement à sa part d'ombre. Et ça, ce prolongement, on le reçoit nous et on le balance dans le cœur du juge, je dis bien le cœur du juge. Parce que le droit pénal, c'est pas seulement quelque chose qui est rationnel, c'est pas seulement de la preuve rationnelle. Sachez que dans notre serment, il n'y a pas de mot vérité. Dans le serment du juge, il n'y a pas le mot vérité non plus. Le mot vérité dans notre système judiciaire, il n'est nulle part écrit. Sauf pour le témoin qui prête serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je juge ». Vous voyez dans ce texte, il y a écrit trois fois le mot vérité. Trois fois, parce que c'est tellement rare. Et songez, dans le serment du juge, je vous ai apporté là, la seule chose que j'ai écrite, c'est la définition de l'intime conviction. C'est-à-dire, et je crois qu'il faut commencer notre talk là-dessus, comment le juge juge-t-il? Il juge sur le fondement d'un système intellectuel qui est celui de l'intime conviction. Qu'est-ce que l'intime conviction? C'est l'article 353 qui, dans des termes écrits par le législateur de 1810, Napoléon, vous dit ceci. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. On ne leur demande pas de compte. Hein, on ne leur demande pas la preuve de l'addition. On ne leur demande pas d'expliquer pourquoi ils se... Pourtant, ils vont devoir... Mais ne leur demande pas de compte. Elle leur prescrit de s'interroger dans le silence et le recueillement. Prodigieuse, dans le silence et le recueillement. Y compris dans l'affaire UBS, y compris dans l'affaire Elf, y compris dans les affaires les plus sophistiquées de droit pénal financier, y compris évidemment dans du droit pénal politique. Dans le silence et le recueillement. On ne demande pas ça à un mathématicien, on ne demande pas ça dans le, ou même un film, dans le silence et le recueillement. Là, vous sentez le souffle des cathédrales. Et vous noterez tous qu'une salle d'audience, c'est un peu... organisé comme une cathédrale avec le juge qui est en robe rouge. C'est pas le sang hein, de la vengeance, c'est la couleur pourpre de l'église ou du roi. Dans le silence et le recueillement sur les impressions, songez à ce mot, les impressions, c'est pas des maths hein. Les impressions, le juge ne se détermine pas comme un mathématicien sur quelque chose de rationnel, mais sur de l'irrationnel, et c'est ça qui m'intéresse dans la justice. Le mot vérité n'est pas dans le serment du juge, n'est pas dans le serment de l'avocat, n'est pas dans la définition de l'intime conviction. Ce qui détermine le mécanisme intellectuel pour juger, c'est l'article 353, la loi ne demande pas compte au juge des moyens
par lesquels ils se sont convaincus. Elle leur prescrit de s'interroger. J'en étais là dans le silence et le recueillement. Donc on est dans une cathédrale. Le silence et le recueillement et une salle d'audience, c'est une cathédrale. Sur les impressions faites. Et vous vous rendez compte, les impressions. On n'est pas loin des émotions. Le législateur n'a pas osé dire le mot émotion, mais les impressions faites. Vous n'avez pas demandé à un matheux ou à un philosophe les impressions faites sur leur raison. Alors évidemment, on est très proche des Lumières et d'un législateur qui écrivait à l'ancienne, mais les impressions faites sur leur raison de la plénitude des preuves, c'est magnifique. La plénitude des preuves, c'est pas l'addition des éléments, c'est la plénitude des preuves, l'impression faite sur leur raison. C'est comme ça qu'on leur demande de juger, et pas au nom de la vérité. Rapporté contre l'accusé et les éléments de sa défense. Elle ne leur fait que cette seule question, avez-vous une intime conviction? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on croit tous, beaucoup trop, que la justice, c'est la recherche de la vérité. Que la justice, c'est la recherche d'une certitude absolue. Non! Et la preuve que ce n'est pas la recherche de la vérité, c'est qu'au moment où le juge anglais rend son verdict, on lui donne, pour mettre au-dessus de sa perruque, un petit chapeau. Et ce petit chapeau sert à éviter que la foudre de Dieu vienne le transpercer au moment où il rend un verdict qui serait un verdict d'erreur judiciaire. On sait qu'on est dans de la justice humaine, on sait qu'on peut se tromper. La preuve, c'est qu'il y a un appel. Parfois, première instance, perpétuité, appel, acquittement. Et ça arrive tous les jours. On l'a tous, tout avocat pénaliste l'a vécu, ça. Donc on n'est pas là au nom de la vérité, on est là au nom de nos parts d'ombre, qu'on projette à travers le passage à l'acte sur la part d'ombre du juge, et on cherche l'émotion, non l'impression faite sur sa raison, pour dégager une intime conviction.